Et salut tout le monde, c'est Jean Bloqué, on se retrouve pour ce 15e épisode du maire de City Skyline saison 1. Et dans le précédent épisode, on avait eu la construction de ce magnifique stade. Avec un match en cours qu'on sait pas s'il est gagné ou perdre. Pardon. On peut aller dedans? Ah ouais, on peut aller dedans. Bon, on sait pas ce qui se passe, le match est en cours, on sait pas qui gagne, qui perd. Par contre, le petit délire que j'ai vu. Tiens, ça a l'air d'être rouge ici. Circulation. Ouais, qu'est-ce que c'est bondé? T'es sérieux là? Ok. Personne passe par là, quoi. C'est génial, les mecs, ils passent jamais par là, quoi. Là, ils sont en train de bouchonner. Alors que la plupart, ils pourraient passer par là. Ça change quoi? Pas grand-chose, hein. Tu rentres par la même... Le parking est là. Donc, dans les deux cas, t'as la même distance entre ça, là, et ça. C'est pas grave. Alors, ce qu'il y a eu entre deux, pendant que je vois que je suis hyper riche, c'est qu'ils ont ajouté de nouveaux DLC. C'est-à-dire que là, dans les stades, on a plus de stades. Et c'est les stades européens. Donc on a le stade de la Juventus, on a le stade de Chelsea, on a le stade... de Barcelone. Et le stade de Paris. Et c'est vrai que je me rends compte qu'on aurait pu avoir un beau stade. Regardez. Franchement, ça aurait été bien plus beau, hein, d'avoir ce stade-là. Et regardez, de toute façon, celui-là, il est déjà... Et regardez, on aurait pu avoir ce stade-là, tranquille et tout. Pente trop inclinée, si tu veux. Et là, c'est une pente trop inclinée. Non. Vous vous rendez compte? On aurait pu avoir ce beau stade. Ça s'est joué à très peu de temps, quoi. Mais bon. Match suivant. Quoi, on a perdu le match? Ah ouais, mais si on a une équipe de Brel aussi, les gars, je veux bien, mais au bout d'un moment, voilà, quoi. J'aime bien, on peut changer les couleurs, mais on peut pas changer le nom de l'équipe. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin? Bah, y a rien. Y a aucun besoin. À part les mecs qui sont en train de se plaindre qu'ils ont des besoins là. Y a pas vraiment de choses à combler, hein. Parce que, si on regarde le zonage là, tout est pratiquement zoné. Et y a personne qui réclame. Donc, je sais pas quoi faire. Pour justement, faire quelque chose pour les aider plus. C'est quoi ça? Tourisme et loisirs. J'aime bien, c'est que ça. Normalement, elle est sur une île. Cette statue. Hein. J'aurais pas dire, mais elle pourrait être là, quoi. Faut que je voie parce que on peut avoir autre chose qu'un stade. Hein. Tour des transports, ouais, non. Grand centre commercial, faut construire un aéroport. Ça c'est quoi? Le centre des expositions. Et ça c'est un stade. On va construire le centre des expositions juste à côté là-bas. Ils vont être contents. Voilà. Voilà, ici on va essayer de faire une zone à peu près... à peu près sympathie pour eux. Ce stade là, je sais pas. Je regarde là. On peut mettre ça où on veut, limite. Genre, si j'ai envie de le mettre
là. Je peux, quoi. Est-ce que je vais le faire? Non. Pour l'instant, on a vraiment pas mal. Le centre des expositions, il va être sympa. Avec le stade de... Eh, mais il y a un match par an, quoi. Regardez. Le premier match était en début d'année. Et le prochain match sur l'année suivante. Ok. Bon. C'est vrai que là, ça fait 5 minutes de vidéo, il n'y a toujours rien. Il y a les hauteurs de David. David Douillet. Oh, elle est trop bonne, cette vanne. Pardon. Niveau eau, ils sont bons. Niveau électricité, ils sont bons. C'est quoi tout ça? Ah, c'est des arbres, je me disais. Tout le monde est satisfait au niveau... Attends. On va virer ça. Voilà. Toujours vers là, hein. Il y a toujours un problème vers là. On sait pas pourquoi. On sait pas comment. Pas assez de clients. La criminalité est élevée. Je suis assez d'accord avec toi. Donc, on va créer un petit truc juste ici. Voyez. Voilà, un petit poste de police là. Oh, il y a une vague là, ça fait... Ouh. Et vu qu'on veut éviter que là aussi le même cas arrive. Non, pas trop incliné apparemment pour eux. On va faire ça ici. Voilà, on aura un poste de police là-bas. On aura un poste de police ici. L'autre poste de police est là, donc ça va passer. On va peut-être même le mettre ici. Vous voyez? Non? C'est quoi? C'est un grand... Un petit commissariat. Juste là. Ouais, j'ai mis des grands postes de police à des endroits où qu'il fallait pas. J'ai pas vu que j'avais mal cliqué. Donc ici, c'est... Vous inquiétez pas, il va revenir. Tiens. On va le mettre juste là. Voilà. Justement, ça se plaignait du grand banditisme. Une nouvelle parcelle? Non, j'en ai pas besoin pour l'instant. Attends, le poste de police n'a pas d'eau, t'es sérieux là? Bon. Tirons le tuyau, hein. Apparemment, Voilà. Il y a encore un bâtiment abandonné ici. Ouais, je sais pas pourquoi ils sont abandonnés. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. À part regarder ce qu'on peut avoir comme bons objectifs. Il faudrait un aéroport, en fait. Et l'aéroport... Ouais, on va commencer peut-être à... Parce qu'il commence à avoir un stade, tout ça. On va peut-être commencer à réfléchir à l'aéroport. Et peut-être même une... petite caserne de pompiers là, juste là, pour éviter justement le risque de feu au niveau du stade. Oula, oula, je comprends pourquoi il y a autant d'incendies là. On va mettre une grande caserne ici, voilà. D'un seul coup, tout le monde est content. Regardez la vague de rue. Oh, le bonheur. Pardon. Il y a encore des irréductibles tartampion qui seront là. Tiens, on va mettre juste là. Là-bas, il n'y en a pas, donc il y a des risques. Tsunami, non, c'est pas ça.
Je cherche où j'ai mis le poste de police, c'est pas grave. On va mettre ça là. Oh, ça va être limite. C'est dommage, non, 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 on va le faire sauter. Voilà. Hop. On va réfléchir. Il y a un poste de police qui est pas loin, donc on va essayer de le mettre là. Voilà. Voilà. En fait, ça va couvrir toute la zone. Et je crois même que j'aurais pu couvrir ici. Là, juste là. Attendez. Je réfléchis. Je réfléchis avec mes petits moyens. Là, juste là. Ça couvre. Ouais, ça va couvrir. Donc, on casse celui-là. On va refaire la zone. Je crois qu'elle est morte. Hein. Depuis que j'ai fait sauter ici, elle doit être morte, ouais. Voilà. Ouais, aujourd'hui, c'est sécurisation. De toute façon, ça doit être dans le titre aussi, la sécurité avant tout. Ça doit être un titre comme ça. Bon. C'est vrai que là, on est plutôt dans un truc où il n'y a pas du tout de demande. Il n'y a pas vraiment de demande. C'est des demandes légères, là. Là, les demandes, t'as juste à remplir les cases de demander. C'est-à-dire ici, 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 ici. Voilà, tu clarifies ça. Puis d'un seul coup, ils ont plus de demandes. Par contre, là-haut, ça va être un peu plus tendu, tendu, tendu. Parce que il va falloir encore agrandir cette zone. Voilà. Avec des routes semi-biscornues. Voilà. C'est pas évident, hein. En plus, là, on est vraiment sur la fin de saison, là. Attends, tiens, on va te mettre là, toi. Non, pour l'instant, on va faire ça, vous voyez. Une petite route comme ça. Et une petite route comme ça. Après, tu prends le milieu qui est vers ici. J'aime bien, comme je le dis à chaque fois, j'aime bien quadriller parce que ça permet de justement de peut-être fluidifier un peu le trafic, même si on a vu dans la série que c'était pas forcément le cas. Voilà. Mais bon, moi ça me plaît à peu près comme ça. Voilà, hop, hop. Hop. On va essayer de faire tant bien que mal tout ça. Parce que c'est pas évident. Voilà, voilà, voilà. Comme ça. Et ici, on va faire ça. Il y a des endroits. Oh là, il y a des endroits, c'est vraiment chelou là, la constitution là. Et pour changer un peu, on va faire ça. Regardez, hop, 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 hop. Voilà. Bon. Par contre, forcément, quand tu fais ça, tu dois étendre tes tuyaux. Donc on va étendre nos tuyaux jusqu'ici. Ça arrive, 2 secondes. Les mecs, ils viennent à peine de construire, ils veulent des jalons, quoi. Oh, détendez-vous, là. Les mecs, c'est des barbares. Voilà. Comme ça. Voilà. Et à un moment, on va faire un petit truc comme ça qui va rejoindre comme ça. Voilà.
On couvre à peu près toute la zone qu'il faut. Mais qu'est-ce qu'ils ont là? Ils sont sérieux là? Pourquoi? Ils sont malades. On va rajouter un petit... une petite clinique là, juste là. Voilà, histoire de les contenter un peu. De comprendre pourquoi ils sont malades. Ouais, apparemment ça a l'air de se régler. Mais apparemment c'est à chaque fois quand il y a un petit... il y a un petit truc là, vous savez, de... de construire à proximité, vous voyez. Quand il y a des bâtiments à la con. Mais c'est toujours ça en fait. Vous voyez, niveau santé ça a l'air d'aller hein. Santé moyenne 65%. Oui, ça a l'air d'aller hein. Ils sont peut-être à l'agonie, mais ça passe quoi. Donc c'est vraiment le genre d'épisode où tu te dis qu'est-ce que tu peux faire quoi. J'avais dit aéroport. Allez, on va se concentrer sur l'aéroport. Non, atteindre 70 000. Je suis qu'à 40 000. Par contre, les trains, ouais, je peux faire une gare ferroviaire là-bas. Parce qu'on va avoir le chemin possible. Vous voyez ? On doit être placé sur une route. Mais j'ai mis un truc là, t'es casse-couille. C'est le genre de truc, t'as envie de leur cracher à la gueule quoi. Parce que tu sais pas pourquoi ils font ça. Un tout petit, je veux juste un tout petit. Pas un terrain de basket, un petit truc de rien du tout là. Table de pique-nique et tout ça. Ici? Ok, ils sont contents. Voilà. Bon. Ça a l'air d'aller. On a l'air tranquille. Je sais toujours pas pourquoi il a des chutes d'FPS aussi impressionnantes que ça, ce jeu. Pourtant, c'est pas un jeu qui va demander énormément de ressources. Apparemment. Eh, je suis un peu trop riche quand même, hein. Va falloir que je fasse des dépenses quelque part. Est-ce que j'ai une université? Ouais, elle est déjà posée, l'université. Ils sont pas instruits, eux. On va mettre une école ici, vous voyez. Non, une école là. Regardez juste là. Vous voyez, la petite vague là. Alors, on va essayer de régler les problèmes d'école. Il n'y a pas vraiment beaucoup de sujets où je peux faire évoluer un peu la situation. C'est bien ce qui est le problème. Attendez. Est-ce qu'il n'y a rien à créer? Non, je vais laisser comme ça, vous voyez. Ici, ouais, par contre, on va faire des tracés, là. Histoire de... Voilà. Voilà. Et on va faire du... la zone commerciale dense. Juste là. Parce que à côté du stade, ça va bien travailler. Là, il y a un petit truc aussi. Donc ça va être pas mal. Là, il demande des habitations, on a juste à faire ça. Hop, 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 voilà. Par contre, ah, il va falloir régler l'histoire des poubelles. Oh là là, mais vous êtes sérieux, les gars?
Là, il me faut combien de services de poubelle? Donc on a toujours un an à attendre pour... pratiquement. Ici, il y a 6 mois pour... pour le stade. C'est dommage, on peut pas l'agrandir. Enfin. C'est quoi ça déjà? Ah ouais, ça c'est le menu... Ça rend bien avec les lumières comme ça. Vous voyez, le cycle aujourd'hui, ça rend plutôt bien. Mais vous voyez que ça fait plutôt bien à ce niveau-là. Parce que... Ah bah tiens, justement. Il y a de la demande. Ouais, je suis plutôt réactionnaire, on va dire, là, sur cette vidéo. Parce que... c'est ça, on dit réactionnaire. Ouais, non, par contre, là, j'ai un doute. Espace déjà occupé, t'es sérieux, là? Alors, tu me fais faire un truc tout dégueulasse? Ah ouais, d'accord, je comprends. C'est moi qui a chié, hein. Par contre, apparemment. Hop. On fait la masse ici, autour du stade, pour justement... pas avoir des gens qui vont se plaindre, ouais, le stade, anani, il fait trop de bruit. Non, c'est pas ça que je veux, moi. Voilà. Voilà. Je veux des gros trucs, moi. Par contre, c'est là-bas que je veux un petit truc. Un petit commerce là. Histoire de se faire plaisir. Pour l'instant, le mec il demande, mais il y a de quoi construire. Hein. C'est. Ah tiens. Par contre, j'avais pas vu ici. C'était pas fait. Apparemment. Donc ouais, il faut faire attention. Faut vraiment faire attention à ce qu'on peut avoir. Coche plutôt. Ok. On a vraiment des... C'est quoi ça qui demande? C'est lui, hein. Pas assez de clients. Ça, j'y peux malheureusement rien. C'est quoi ça? Manque de service. Les habitants, ça donne plus de service dans les zones. Est-ce que j'ai mis la petite clinique? Ici. Ah oui, il y a une petite clinique là. Ah non, c'est les pompiers ça. Pas de clinique ici. On va mettre une petite clinique médicale positionnée à peu près ici, voilà. Voilà, ça va aider un peu au niveau service. Parce que là, c'est tout ce qui est service, la santé et tout ça. Donc ça va vraiment aider. C'est vrai que... Tu sais pas quoi faire, c'est ça le problème, c'est que... T'es obligé d'attendre qu'il y a un truc qui te demande de faire quelque chose. Et moi ça me gêne parce que, voilà... Nucléaire, j'y suis bientôt. Il y a vraiment très peu de trucs que je peux faire avancer. Non, c'est dans l'étape là. La ville colossale, on va avoir la centrale nucléaire et le centre de fret. La métropole, on va avoir l'aéroport. Qui va être à 70 000. Après, l'aéroport international. À 90 000. Et c'est tout. On n'aura pas de possibilité.
T'as pas d'eau, toi? Ah bah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Ouais, excusez-moi, ça se reproduira plus. Dis-moi jusqu'à que je décide que ça se reproduise. Enfin bref, j'aime pas ce tracé de route là. Je suis désolé, mais je... Ah putain, non, je suis dans le... Voilà. Voilà, j'aimais pas ce tracé de route. Parce que ça va pas le faire pour les prochains tracés. Donc, je suis obligé de le refaire. Voilà. Je l'ai vu à peu près avec l'eau, avec les tuyaux d'eau, que ça allait pas le faire. Donc là, personne demande rien. C'est vraiment des limites très minimes. En fait, je crois que je me demande si j'ai pas choisi... la zone où il n'y a pas vraiment de chaleur et tout ça. Alors, eux, ils veulent des employés qualifiés. Eux, ils veulent des employés non qualifiés. Et on est dans une optique pas de où l'école est pas... Ouais. Attendez, on va voir. École. C'est là. L'éducation. Alors ouais, ça pose un gros problème ici. Même s'il y a... Donc je pense que je vais poser un petit lycée là, vers là. Et juste là. Hop, comme ça. Histoire de donner un peu plus de... D'allant à la ville, là, ici. Lui, est-ce qu'il va y manquer d'eau? Oh, il est dans la limite, donc ça passe. Est-ce que l'eau se dépollue ici? Ça a l'air, mais... Avec la pollution ici... C'est vrai que ça le fait pas. On va étendre la force, hein, au fur et à mesure, on va remplir tout ici. Et tout là. Oh là, comment c'est dégueulasse ici. Ça, on sent qu'il y a une ville qui pollue, hein. Je sais pas c'est laquelle, mais je sens que ça pollue, hein. Divertissement. Qu'est-ce qu'ils ont fou du divertissement là-bas? Service de chauffage non chauffé. Je verrai. Peut-être que j'irai sur le... Sur comment ça s'appelle, sur les... Peut-être le chauffage et tout ça, putain. Hey. Quand c'est trop près, il a du mal le jeu. Et quand c'est trop loin, il a du mal aussi. Bon. Alors, je pense que je vais conclure cet épisode ici, hein, parce que tout simplement... Pour une fois, j'ai envie de conclure plus tôt. Ouais, d'habitude, je déborde facilement les 30 minutes. Mais là, c'est juste que la ville n'a pas vraiment besoin de moi. Donc, je suis pas débordé. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir par les moyens habituels. Les petits likes, les petits commentaires, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ce qui m'étonnerait beaucoup si vous arrivez sur cet épisode-là. Sinon, regardez les précédents épisodes pour comprendre un peu cette évolution de ville. Les fails que j'ai pu faire. J'ai appris de mes erreurs sur certains trucs, donc vous pouvez regarder. Moi, je vous donne rendez-vous samedi pour le 16e épisode du Maire de City Skyline saison 1. Ciao, bye bye.